Bonjour tout le monde et bienvenue sur Chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui une excellente idée pour faire un bon petit déjeuner ou goûter facile, rapide, en quelques minutes. Alors j'ai pris deux pommes, je vais retirer cette partie avec les pépins, puis je les coupe en petits morceaux. Vous pouvez utiliser aussi les bananes si vous voulez. Une autre délicieuse recette en 10 minutes, sans temps de repos, cuisson à la poêle. Je mets le tout dans ce bol, puis je rajoute deux œufs entiers. Deux cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé, le bout d'une petite cuillère de sel, un verre de lait, l'équivalent de 160 ml, et 60 ml de l'huile végétale, ou le beurre fondu selon le choix. Avec le batteur, mixez le tout, ou bien vous utilisez aussi le mixeur. Maintenant, je rajoute la farine et la levure, la farine de blé tendre que j'ai tamisée à l'avance, avec un sachet de levure chimique équivalent de 8 grammes. Je mélange bien, cette fois-ci juste avec le fouet à la main. Et en dernier temps, je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre. La consistance du mélange doit être comme celle-ci, semi-liquide. Et sans temps de repos, on passe maintenant à la cuisson. J'ai mis ma poêle sur feu moyen. J'ai ajouté juste un peu d'huile végétale. Il vaut mieux d'utiliser un poêle anti-adhésif. Une fois chauffé, je verse une louche du mélange. Je baisse le feu, la cuisson à feu doux. Après quelques instants, je les tourne de l'autre côté pour obtenir une belle coloration dorée. Vous pouvez les faire petites, moyennes ou de grande taille selon le choix. Et je termine de la même façon jusqu'à ce que je finisse toute la quantité. Vous trouverez aussi d'autres idées de recettes pour petit déjeuner, pour goûter sur ma chaîne. Des recettes accessibles à tout le monde, préparation facile. En quelques minutes, je vous invite à les découvrir. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, je vous dis bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et voilà, je les ai servis avec la confiture d'abricot, des pancakes tellement léger, délicieux, très très gourmand, aux pommes, et bien aéré, comme vous voyez. Et voilà, si vous avez apprécié la recette, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, un petit like, partager, commentaire. Je vous remercie de suivre la vidéo, et à la prochaine.